Salut chers investisseurs immobiliers 5G, c'est avec le cœur à la danse que je vous reçois dans cette nouvelle vidéo. Dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et oui, nous sommes à 230 km d'Abidjan. Et derrière moi, vous avez les résidences Harmonie 5G de Yamoussoukro, ma 7e mini-cité. Pour ceux qui sont encore dubitatifs, qui encore hésitent, je vous invite à regarder le conseil des ministres du premier mercredi du mois de décembre 2023 concernant Yamoussoukro. Une mini-cité qui sera exploitée en format résidence meublée. Et oui, ici nous avons des clients de la diaspora, nous avons des clients d'Abidjan, un seul client de Yamoussoukro. Donc c'est pour vous dire que ces résidences seront exploitées en format résidence meublée. Et c'est l'objectif de cette mini-cité. Lorsque vous devez venir à Yamoussoukro en famille ou bien pour votre séjour ou bien même en mission, vous réservez la date, vous séjournez. Pendant votre absence, la résidence travaille pour vous en format résidence meublée. Pour accompagner mes clients de cette mini-cité dans ce sens de résidence meublée, sachez que nous avons les autorisations du ministère du Tourisme. Oui, nous avons les autorisations du ministère du Tourisme parce que nous voulons l'exploiter dans le domaine touristique. Vous êtes sans ignorer que Yamoussoukro est une ville touristique avec la basilique Notre-Dame de la Paix. Et pour ceux qui viennent séjourner à Yamoussoukro, ces maisons seront livrées fin décembre 2023. Au moment où nous tournons cette vidéo, nous sommes à peu près à 3 semaines de la date de livraison. Soyez sans crainte, nous sommes dans les dernières touches. Là, nous sommes sur le parking. Le parking, la dalle a été coulée avant-hier. Un parking qui peut recevoir plus de 20 véhicules. Un parking sécurisé avec la guérite, comme vous pouvez le constater sur ma droite. Une guérite, là vous avez l'accueil. Et à l'intérieur, vous avez des villas basses. Ici, sachez que c'est une mini-cité en format résidence meublée où vous avez des studios, vous avez des villas 2 pièces, vous avez des villas 3 pièces et même des villas 2 pièces individuelles. C'est-à-dire que vous avez des villas 2 pièces où vous venez vous garer, vous rentrez avec votre véhicule, vous fermez tranquille quoi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, lors de vos séjours ici à Yamoussoukro, n'hésitez pas. Et pour les équipes qui seront logées à Yamoussoukro, sachez qu'ici, dans cette mini-cité, nous avons près d'une dizaine de villas basses pour vous accueillir, oui, à partir du 13, à partir du 10 janvier. Mais les villas seront prêtes à partir de fin décembre 2023, meublées, toutes équipées. Donc, pour le Cameroun, j'ai fait un coucou à mon ami Vanister. Merci Vanister, je vais te loger ici. Voilà, parce que ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays d'hospitalité. Voilà, nous allons vous accueillir. Nous allons vous loger. Et puis quand même, le Cameroun, c'est nos beaux. Donc, nous, en tout cas, on va loger toutes les équipes. Mais le Cameroun seulement, on doit les loger. On doit bien les accueillir parce que c'est notre beau. Donc, Vanister, moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Je te réserve une résidence meublée ici pour la CAN. Prends attache avec moi. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre mon contact privé. Et puis, vraiment, faites tourner cette vidéo, mes frères du Cameroun, pour que Vanister prenne attache avec moi, pour que Vanister regarde cette vidéo. Parce que je lui promets une résidence meublée dans la mini-cité dénommée Harmonie 5G de Yamoussoukro. Ouais, Vanister, ça c'était pour toi. Puis vraiment du courage. Je regarde tes vidéos, je regarde tes lives, je regarde tes improvisations. Et je sais que la CAN sera waouh quoi. Au-delà de Vanister, c'est à tout le Cameroun que je fais ce coucou. Dans cette mini-cité résidence meublée, enfin je dis résidence meublée parce que la mini-cité sera exploitée en format résidence meublée. Et donc, dans cette mini-cité en format résidence meublée, sachez que vous avez des villas intelligentes. Ouais. Vous pouvez contrôler la lumière, vous pouvez contrôler la climatisation depuis, en fait pour les propriétaires, pas pour les clients. Voilà, en tant que propriétaire, vous avez la possibilité de contrôler l'électricité, contrôler la climatisation depuis Paris. Parce que ici, nous avons des clients de la diaspora, beaucoup de clients de la diaspora. Nous avons des clients d'Abidjan. Donc, il va sans dire que depuis Abidjan, depuis la diaspora, depuis l'autre côté, vous pouvez contrôler facilement les entrées, la climatisation et vérifier les entrées sorties. Nous avons encore quelques villas disponibles. N'hésitez pas à prendre la tâche avec nous.
Il y a le programme 1, comme je l'ai dit, qui sera livré fin décembre 2023. Mais juste à côté du programme 1, nous avons le programme 2 qui commence à partir de janvier 2024. Donc n'hésitez pas à prendre la tâche avec nous. Et je vous laisse parcourir un peu cette mini-cité. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 3 semaines avant la date de livraison de cette mini-cité. En tout cas du programme 1, dont la date de livraison est prévue pour fin décembre 2023. Moi, c'est René Kessé de Immo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, de bien investir tout en respectant les 3 R, à savoir votre projet doit être réalisable, il doit être réaliste et il doit être rentable. Sur Immo Finance 5G, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons de réseautage. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous parlons de réseautage des hommes, des femmes d'affaires dans le domaine de la construction. Et donc, si cette thématique ne vous parle pas, ne vous abonnez pas à ma chaîne, ne partagez pas, ne laissez pas de commentaires. Mais si cela vous parle, n'hésitez pas à nous encourager. Immo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.